Il en est ainsi depuis plus d'un siècle. Depuis qu'un homme que rien ne semblait prédestiné aux yeux de ses contemporains à l'inspiration divine autorisant la grande exhortation à appeler ici, sur ces terres gagnées jadis par l'idolâtrie, les hommes et les guides à venir à ses côtés, adorer le maître des cieux et de la terre. Rasulullah.